Bonjour, mon nom est Josiane Hardy. Bienvenue à cette toute nouvelle émission de Soyez Futés. Cette semaine, Nathalie nous fait découvrir encore de belles choses. Mais on débute l'émission avec notre expert maison, Martin, qui nous fait découvrir les Pale Ales. On reste dans les styles. Après la blanche, la dernière émission est là, on a les Pale Ales. Les Pale Ales, effectivement. C'est un style britannique. En fait, une Pale Ale, ce qui est intéressant avec les Pale Ales, c'est que les gens pensent que c'est des blondes, mais une Pale Ale, c'est pas une blonde du tout, les Pale Ales. Dans le temps, en Angleterre, on faisait des bières foncées, Stout, Porter, ensuite Porter, Stout. Puis, à cause des techniques de maltage, parce que dans le temps, on faisait griller le malt, mais on n'était pas capable de contrôler la température, donc ça devenait un malt foncé. Donc, on faisait des bières avec ça. Mais quand les techniques de maltage se sont développées, à ce moment-là, on a eu des malts plus pâles. Fait qu'on a fait des bières qui étaient plus pâles que les porters, les stouts. Donc, ils les ont appelés les pale ales. Mais une pale ale, c'est pas blond, là. Une pale ale, ça a une belle couleur cuivrée, ambrée. Donc, c'est vraiment... c'est une pale ale. Dans le fond, c'est la pale ale plus pâle que les autres, là. Justement, t'as ouvert une porte avec sa couleur. C'est quoi les autres caractéristiques? Les pale ales, c'est des bières avec, justement, à cause qu'il y a du malt torréfié dedans, du malt caramélisé, en fait, une petite note de caramel, dans le fond, une croûte de pain, là, un pain de campagne, là, un petit peu, là, quelque chose d'intéressant, un petit peu plus sucré qu'une bière blonde, en fait. Est-ce que c'est amer? On a une certaine amertume, je ne me trompe pas, dedans. Il y a une certaine amertume. Bien, c'est les caractéristiques des bières anglaises, c'est que c'est houblonné, mais c'est pas trop houblonné. Bien, pas que c'est pas trop houblonné, c'est bien balancé. Donc, on sent une amertume, mais c'est balancé avec la sucrosité de la bière. Donc, c'est quelque chose d'assez discret. On va le sentir, mais c'est pas quelque chose qui va nous agacer ou qui est frappant, là. Donc, on a des notes plus fruitées. Plus fruitées, oui. C'est des houblons. Les houblons traditionnels anglais vont avoir des notes fruitées. La différence avec la blanche qu'on a vue lors de la dernière émission, parce que justement, là, tu me sembles dire les mêmes caractéristiques, là. Oui, sauf qu'il y a un goût plus caramel. Donc, on va le sentir, le goût caramel. Tu vas voir tantôt dans la dégustation, là, il y a un effet de caramel qui est plus présent, là, qui est vraiment intéressant, là, au niveau des pale ales. On retrouve une certaine minéralité. C'est pas juste des minéraux comme des roches. Là, c'est quoi une minéralité, justement, pour une bière? Bien, les pale ales ont été brassées traditionnellement en Angleterre, dans la région de Burton-upon-Trent. Donc, c'est la caractéristique de la rivière qui passait là, c'est justement qu'elle était forte en sels minéraux, en gypse. Donc, il y a le goût minéral d'une pale ale vient de là. Donc, souvent, quand on brasse une pale ale anglaise, plus en Amérique du Nord ou à travers le monde, bien, on va aller chercher ça en faisant des additifs dans l'eau. Pour justement, ils appellent ça la burtonisation de l'eau, pour justement avoir les caractéristiques d'une bière anglaise, parce que ça a une influence sur le houblonnage de la bière. Fait qu'il y a un lien entre les deux. Donc, si tu n'as pas les minéraux nécessaires, ton houblon ne réagit pas de la même façon. Tu as parlé d'une bonne tranche de pain tantôt. Tu as parlé d'un pain croûté. Je comprends pas. Un pain de campagne. Qu'est-ce que ça veut faire avec la bière? C'est en référence à la base. Hein. C'est des céréales à la base. Donc, le pain, c'est fait avec des céréales aussi. Puis dans cette bière-là, moi, je trouve que le goût malté est plus prononcé que dans une blonde ou une blanche. Une blanche, c'est normal parce qu'il y a du blé dedans. Mais donc, il y a quelque chose de plus malté, d'intéressant, qui me fait penser au pain. Mais pas une baguette de pain, plus un pain de campagne là, avec une belle croûte, justement, qui a comme une caramélisation qui s'est faite. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de belles caractéristiques, mais comme je suis curieuse de nature, je suis une journaliste, moi, je vais en prendre un peu plus. C'est quoi les autres caractéristiques? Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur ce style-là? Bien, ce style-là, c'est que dans le fond, il y a trois styles de pale ale qu'on entend plus parler. Tu as les pale ale anglaises qui vont être justement avec un léger houblon à la fin, un léger houblon fruité. Il y a les pale ale belges aussi, que les Belges se sont mis dans le bain avec ça. Tu vas avoir vraiment un côté fruité, l'amertume n'est pas là, tu ne sentiras pas les houblons. Puis il y a les pale ales américaines où justement, là, tu as vraiment un goût plus prononcé en houblon qui va tirer sur le floral, le côté agrume, là. Plusieurs places dans le monde, je peux dire, où ce qu'on embrasse comme ça, mais ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques, mais ça demeure une pale ale. Ça demeure une pale ale, oui. C'est les fondements de base, dans le fond. C'est une partie du malt caramélisé, le houblon, c'est en gros, là, ça va varier avec l'eau, avec le brasseur, en fait. Là, chaque brasseur a ses caractéristiques qu'il va avoir dans la pale ale. Excellent. Et là, donc, si je comprends tout, je m'en viens quand même une experte maison, moi aussi, grâce à toutes nos émissions. Là. Une IPA, c'est une pale ale. Ça, tu vas trop vite, là. Faut pas aller... on va faire une émission sur les IPA. Excellent. Merci, Martin. Merci. Martin,
on est rendu au segment de l'émission On s'accorde. Et là, aujourd'hui, on accorde quoi avec quoi? On accorde notre belle petite PLL qui a une tuque pour l'hiver, on dirait. Avec, c'est la PLL Golding de Simple Malt qui est brasseur illimité à Saint-Eustache. On va accorder ça avec la tête à Papineau, qui est un superbe fromage, la petite nation, et une confiture au pamplemousse de Miss Marmelade. C'est un accord que ça fait longtemps que j'ai le goût d'essayer, donc je trouvais ça intéressant d'essayer ça aujourd'hui. Trois choses. Trois choses. Bien, c'est ça, là, il va falloir être attentif, là. Parfait, on débute ça. On débute ça, on coule la bière. Une chose qu'on n'a pas mentionnée tantôt, c'est que au niveau des PLL anglaises, souvent on va voir les appellations Better, Extra Special Better, ESB. Donc, c'est un style qui découle des PLL, qui est comme ça varie avec le pourcentage d'alcool puis certaines caractéristiques. Mais quand on voit ça sur une bouteille ou sur une canette, ça veut dire que c'est une PLL anglaise, là. Parfait, c'est noté. Donc, on verse la bière. On veut un petit peu de mousse. Toi, tu as un beau collet. Moi, j'ai un collet un petit peu plus discret. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre chacun une tranche de fromage, puis on va aller mettre un petit peu de confiture dessus. La confiture à ben, quoi? Ben oui, mais tu n'es pas obligé de le prendre dans tes mains parce qu'on n'a pas fait notre job de sentir la bière encore. Ah, OK. Fait que je vais direct comme ça, là. Ben oui, on va sentir la bière. On va y aller étape par étape. On y va, hein? Ouais. On y va. Ça sent extrêmement bon. Oui, c'est de la caramel. Est-ce que tu sens le caramel qui ressort de cette bière-là? Là. Un petit goût sucré, une petite croûte de pain. Un pain croûté. Ouais, sort du four, ça sent bon. Oui. Puis on sent, on a un petit peu fruité, on a un petit peu de fruité aussi qui vient justement du houblon. Le houblon est quand même discret, mais on sent le goût fruité, là. On prend une gorgée? Excellent. On le goûte aussi, le goûte. Là. Le pain, à force de le dire, le pain croûté, je peux le trouver aussi un petit peu dans le goût avec les agrumes. Là, en fait, c'est le caramel qui nous donne. Là, je t'ai mis des mots en bouche. Un peu, hein? C'est le caramel. Là, ça a une finale peut-être un petit peu plus amère que les bières typiques anglaises, mais c'est quand même discret et très bon. Et là, grâce à toi, je vais toujours faire pain croûté avec celle-ci. C'est automatique. Là, on peut justement mettre la confiture sur notre fromage. Puis on va faire le même essai. On va sentir puis on va goûter. Confiture de quoi, tu dis? C'est une confiture au pamplemousse. Au pamplemousse. Oui, c'est la Pink Lady qui est une confiture au pamplemousse rose. Merci beaucoup. Donc, on va chercher les agrumes de la bière en même temps. On va aller chercher. C'est ça qui va être intéressant. C'est la première fois que je fais cet accord-là. Moi, j'ose des fois. Puis, je trouvais ça intéressant de le faire dans cette émission-là. Donc, on va sentir. Le fromage, en tant que tel, c'est un fromage qui va dénoter des petites notes de noisettes. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. On a le sucré de la confiture. Puis, on sent vraiment le pamplemousse rose en confiture aussi, là. C'est l'heure. Juste ça, c'est un excellent accord. Ouais, et voilà. On va aller monter ça d'une coche avec une gorgée. J'adore quand tu oses des accords comme ça. Les trois ensemble, c'est excellent. C'est le fun parce qu'on a comme deux goûts d'agrumes qui restent. Moi, je pensais que les goûts d'agrumes se marieraient ensemble, mais en fait, on reste chacun de notre côté, puis les deux sont là. C'est vraiment intéressant. Là. Puis l'effervescence de la bière, dans le fond, elle vient tout rincer le gras du fromage. Donc, tu n'as pas juste un accord en goût, tu as un accord en texture qui est super intéressant en même temps. Les deux font leur job. Martin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour faire des petites découvertes au magasin Finifité, Nathalie, bonjour. Salut. Et là, c'est aujourd'hui, tu me fais découvrir quoi? L'huile d'olive. Écoute, on a parlé beaucoup des produits locaux, mais celui-ci doit passer la douane pour se rendre dans notre assiette. Alors, l'huile d'olive, bien, parler un peu de sa fabrication, parce que c'est un produit haut de gamme, mais pourtant tellement simple à fabriquer. Écoute, les olives, on pousse, on les cueille. Le seul caprice de tout le processus est au moment de la cueillette parce qu'il faut absolument que les olives se rendent au moulin pour être pressées dans une période de 15 à 18 heures. Sinon, il va y avoir une oxydation. Alors, on cueille les olives, on se dépêche de les amener au moulin, on va les nettoyer, enlever les brindilles, enlever les feuilles, enlever tout ce qu'il peut avoir suite à la collecte. Puis, première opération, c'est qu'on va broyer les olives. Et fait particulier, en tout cas pour moi, c'est qu'on garde le noyau. Le noyau est mélangé à tout ça parce que le noyau contient beaucoup d'antioxydants. Donc, on a un agent de conservation naturel qui vient avec notre olive. Et donc, l'olive passe dans des meules, c'est broyé et ça va nous donner une pâte.
Cette pâte-là va s'en aller au pressage. Donc, on va avoir des espèces de bacs avec... ça ressemble à des gros tamis. On va mettre la pâte d'olive là-dedans. On va empiler plusieurs bacs comme ça. Et là, la presse, qui est maintenant de nos jours hydraulique, mais il y a encore des artisans qui font ça manuellement. On va presser, presser, presser et on va extraire de l'huile, mais il y a aussi des eaux qui vont sortir de là. Donc, on n'a pas encore une huile qui est pure. On va passer à la décantation ou on va centrifuger parce que la décantation, c'est plus lent. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'eau et l'huile se séparent. On sait qu'on retrouve l'huile par-dessus l'eau. Quand les deux se mélangent, bien, ils ne se mélangent pas bien longtemps. Donc, avec la centrifugeuse, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et l'huile qu'on obtient au bout de ce processus-là, c'est l'huile d'olive qu'on appelle l'huile d'olive vierge, pressée à froid. Pressée à froid, par contre, veut dire température ambiante. Donc, l'huile d'olive vierge, qui est de très bonne qualité, c'est suite à ce processus-là qui n'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une méthode de raffinage. À ce moment-là, une huile qui est raffinée veut dire que c'est une huile qui va avoir été chauffée. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir pu manipuler l'odeur, la saveur, la couleur de façon mécanique. Donc, c'est sûr qu'une huile qui a été raffinée comme ça va être de moindre qualité. L'huile d'olive vierge, on entend souvent aussi l'huile d'olive extra vierge. Comment une huile fait-elle pour être plus que vierge, chose qui est assez impossible? C'est qu'elle elle est soumise à des standards. Le producteur, lui, va se dire, moi j'investis, je fais investiguer mon huile pour voir si elle n'atteint pas des sommets de qualité supérieure. Donc, ça va avoir référence à son acidité, à son amertume, encore une fois à sa couleur, son apparence. C'est sûr qu'il va y avoir des processus chimiques qui vont aller analyser l'huile, mais il y a des panels de goûteurs. Alors, l'humain, avec sa papille, va vraiment mettre son grain de sel pour dire si on atteint le standard de qualité. Une huile qui est extra vierge, c'est une huile qui, même rendue à sa date optimale d'utilisation, parce qu'on ne parle pas de date d'expiration pour l'huile, on parle de date optimale d'utilisation, une huile extra vierge va encore être d'excellente qualité rendue à cette date-là. Puis, pour aujourd'hui, j'aurais envie de vous dire, gardez vos huiles d'olive à la noirceur, loin de la chaleur. Donc, parfois, on a tendance à vouloir mettre ça. On achète ça dans une bouteille opaque, on transvide ça chez nous dans une belle bouteille claire pour la mettre toute belle près de la cuisinière. Erreur à ne pas faire, les deux conditions, les deux meilleures conditions sont loin de la chaleur et opaque, d'où la canne, la petite canne de métal. Alors, petite histoire d'huile d'olive aujourd'hui, ça se garde. Merci beaucoup. Un plaisir. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Je vous invite à écouter l'émission la semaine prochaine alors qu'on découvre qu'est-ce qu'une IPA et une double IPA. Mon nom est Josiane Hardy et je vous souhaite une très bonne soirée. À la semaine prochaine. La première fois que je l'ai faite, je dois l'avouer, j'étais un peu nerveux. C'est toujours stressant les premières fois. Mais je me souviens quand j'ai eu 18 ans, mon père m'avait dit « On va y aller ensemble, tu vas voir, ça va bien aller. » Puis mon père, c'est quelqu'un que je respecte vraiment beaucoup. C'est quelqu'un de vraiment terre à terre. Puis c'est un peu lui qui m'a inculqué ces valeurs-là, en fait, d'être capable de se rendre jusqu'au bout. Quand tu te donnes du sang pour la première fois, c'est comme un nouveau défi. T'es stressé, t'es un peu nerveux. Mais ça se passe tellement vite. Après, t'es tellement content de l'avoir fait. Puis depuis que j'ai donné moi mon premier don, j'attends plus qu'on me sollicite, je vais le plus souvent possible. Souvent, quand on veut aider, on est porté à croire que tout ce qu'on peut faire, c'est donner de l'argent. Mais donner du sang, c'est aussi important. Puis quand tu réalises qu'un don de sang peut aider à sauver autant de vies, pour moi, ça n'a pas de prix. Tant que je vais avoir la santé, je vais continuer à donner.